What's up, motherfucker? Alors si tu regardes cette motherfucking vidéo, c'est que tu fais partie de cette génération Y. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la génération Y, c'est la génération connectée. En gros, le Y signifie les écouteurs reliés à ton iPhone, ce qui fait AY, donc génération Y. Vous savez, il y avait une citation de Einstein qui disait « Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme. » Non, enfin un truc du genre. Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme. Enfin, où sera plus importante que l'homme, etc. Mais là, je pense qu'on y est. Là, je pense qu'on y est. L'autre jour, carrément, je me suis fait attaquer. Donc, normalement, dans cette situation, hein, tu penses qu'à sauver ta peau, mais non. Non, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai pensé à sauver le casque. Pour moi, ce casque, à ce moment-là, était plus important que ma propre vie. Et là, c'est vraiment grave. Voilà pourquoi il faut absolument que je fasse cette motherfucking vidéo. Là, depuis quelques années, ça commence à se dégrader. Avant, on avait des vieux téléphones, comme des Alcatel comme ceci. Aujourd'hui, on a tous des smartphones, on a des applications de ouf. On joue à Pokémon Go, mais c'est quoi cette merde? Bref, la technologie est tellement développée qu'aujourd'hui, on peut s'appeler en FaceTime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu veux voir une pote que t'as pas vue depuis 3 ans, qu'est-ce qu'elle va te proposer? Au lieu de se voir, se toucher, etc., les gens préfèrent se voir à travers un téléphone portable. Ceci est grave. Après voilà, quand je dis la technologie, c'est plus par rapport aux réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Parce que là, c'est vraiment grave. La dernière fois, je me promenais, tu vois, dans la rue au calme. J'ai croisé des abonnés, c'est vraiment une histoire vraie. Ça te dirait pas d'aller à Deauville? Ah bah, bien sûr, hein. C'est pas Junior TV. Oh, c'est toi Junior TV? On peut faire la photo? Ouais, vas-y, vas-y. Je me suis arrêté, j'ai accepté de faire une photo. Ensuite, elles sont parties. Et le lendemain, qu'est-ce que j'ai vu sur mon téléphone? Sur Twitter, tout de suite, tout de suite. Grave! Eh, franchement, je trouve pas qu'il est mieux en vidéo qu'en vrai. Ça c'est sûr. Bien évidemment, Junior TV est meilleur. Et meilleur sur internet que dans la vraie vie. Non, c'était pas ça. Le vrai message était... Attends, il avait dit quoi? Ouais, il a dit ouais, je suis vraiment déçu, t'es plus marrant sur Vine qu'en vrai. Non, je rigole, sérieusement, moi je m'en fous un peu des critiques et tout. Je sais que c'est facile d'écrire des choses derrière un PC. Mais pensez un peu aux jeunes de 14-16 ans, etc. Et quand ils reçoivent des ouais, nique ta mère, t'es pas drôle, etc. Non. Ils ont tout de suite envie d'arrêter les réseaux. Ça, là, avec cette technologie, tu peux niquer le moral d'une personne qui se trouve à 25 km de chez toi, ou plus. Alors, ce que je trouve incroyable aussi, c'est que avec un simple téléphone, comme ceci, tu peux être connecté au reste du monde. Tu peux être comme ça, hop, tu te filmes, tu fais un Vine, qui se partage à travers le monde. Tu viens à Paris, tu fais un meet-up et les gens t'agressent. C'est vraiment incroyable. On a vu ça avec Nash Grillé. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Il prend un téléphone et il se filme de face. Son t-shirt est déchiré. Il a été agressé, on lui a tiré les cheveux, le pull, etc. Tous les gens qui étaient sur place à ce moment-là, vous êtes des terroristes. Junior, vu que t'étais là-bas, je pense que toi aussi t'es un terroriste. Donc, avant de parler, réfléchis bien à ce que tu dis. Trop du cul. Moi, je pense que Internet, ça commence à monter au cerveau des gens, en fait. Ça, les gens accordent trop d'importance à Internet. Ils veulent à tout prix être connus. Tu sais, j'ai connu des gens dans ma vie qui me parlaient par intérêt, tu vois. Moi, j'ai refait la liste de mes contacts. Et maintenant, je parle que personnes vraies avec moi, qui sont pas là par intérêt. La dernière fois, ce qui m'est arrivé, c'est quoi? J'étais pote avec une personne, sous prétexte que la personne avait beaucoup plus d'abonnés que moi sur Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressort bien. Oh les gars, Jonathan le mignon sur Instagram. Non, ah, ouais. Vous êtes à combien? Putain, moi je suis qu'à 400 000. Que 500 000 moi. Que 500 000 seulement. Et toi, Junior, t'as combien? Ouais, t'as combien? Sur Insta? Attends, ouais. Je regarde. 89. Avec lui là. Je pense qu'on va se barrer, sinon on va aussi redescendre à 89. En plus 89 c'est le chiffre du diable.
C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment grave. Les gens partent en couille, les gens se suicident sur Periscope. Ils sont là, ils sont prêts à dire « Ouais, à 50 likes, je défonce un mec. » Les réseaux, ça devient n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vous annoncer un truc. C'est que j'arrête les réseaux sociaux. Ceci était donc ma dernière vidéo. J'aurais même préféré ne jamais avoir connu les réseaux sociaux. Incroyable. Y'a un problème? Je suis venu réaliser ton rêve! Quel rêve? J'aurais même préféré ne jamais avoir connu les réseaux sociaux. Tu la poses? J'ai soif. Viens voir, regarde. Laura. Salut. Vous êtes en train de faire quoi? Est-ce que vous avez acheté vos places il y a deux semaines comme je vous l'avais demandé? Non. C'est quoi les meilleures places? Quoi les meilleures places? C'est au balcon ou à l'orchestre? Eh Mitch, c'est qui ton pote? C'est qui lui? C'est pas virer, je veux pas virer. Faut pas virer dans ça? J'en sais rien. Non pas. Je viens de lire un message marrant là. Putain, hey, c'est incroyable parce que vous êtes con des fois les messages que je reçois. Putain, damn, look at my damn. Oh les gars! Quoi? Vous avez compris? J'ai dit quoi? Quoi? Quoi les? Quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Mais c'est bon? Parlez? Oh les gars! Quoi? J'ai attendu! Oh les gars! Quoi? 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 Tu veux quoi là? Les mecs, ils sont ouais, ouais. Oh les gars! Ouais. Je viens d'atteindre le million sur Instagram! C'est vrai? Non. Toi, tu m'as dépassé, je suis. Oh, c'est... Oh les gars! Ouais. Oh! Hey! Il y a quoi? Laura, c'est grave! Que ça, t'es... Oh! Oh! Non.